Buonasera, benvenuti a questa terza puntata del nostro programma dedicati ai dialoghi di grandi musei ideato insieme all'Alliance Française. Sto per lasciare la parola a Marie-Christine Jamet, la direttrice dell'Alliance Française, con cui abbiamo organizzato questo programma. Vorrei soprattutto ringraziare Jean-Luc Martinez che ci ha fatto l'onore di accettare il nostro invito. Siamo molto fortunati stasera di aver sul palco qui a Venezia un dialogo tra due presidenti del più grande museo del mondo, almeno forse, Pierre Rosenberg, presidente dell'Alliance Française, che ne è stato presidente dal 1994 al 2001, e Jean-Luc Martinez, che ha preso questa responsabilità straordinaria dall'anno 2013. Quindi siamo molto fortunati di avere questo dialogo stasera, e grazie a tutti. Marie-Christine, ti passo la parola. La conversazione si terrà in francese con traduzione simultanea, ci sono le solite cuffiette. Grazie a tutti. Due parole da parte dell'Alliance Française per ringraziare Palazzo Grassi per questa bellissima iniziativa e collaborazione sui musei, quindi alla terza puntata, e qualcosa è già previsto per il futuro. Quindi grazie al signor Martinez per aver accettato subito il nostro invito, e grazie a Pierre Rosenberg, che è il presidente dell'Alliance Française, e vorrei approfittare di questo momento per ringraziarlo per tutto quello che fa per la nostra associazione e per la sua dedizione da quando è il nostro presidente. Grazie. E Pierre Rosenberg è anche membro dell'Académie Française, oltre ad essere quindi presidente onorario del Musée del Louvre. Quindi cedo subito la parola a effettivamente questo abbinamento poco comune, quindi di due presidenti del Museo del Louvre. Merci beaucoup. Je vais être traduit en italien, parce que l'Alliance française se doit de défendre le français. J'ai malheureusement l'habitude de parler très vite, et je plains la traductrice qui va avoir à traduire ce que je vais dire, et qui d'ailleurs va être très bref, je vous rassure. L'habitude est de dire que quand on occupe un poste important, qu'on a été précédé par un incapable, et qu'on son successeur est un intrigant. Or, M. Martinez à ma droite n'est pas mon prédécesseur ni mon successeur, et par conséquent, ces phrases terribles ne s'appliquent pas à lui. L'autre chose qu'on m'a demandé de dire, c'est une communication que je suis obligé de faire, on m'a supplié de la faire, et par conséquent je me dévoue pour la faire. C'est une communication très très importante, c'est que la Joconde n'a pas été volée par le Louvre, contrairement à ce qu'on dit partout à Venise, qu'elle est entrée dans les collections des royales françaises du temps de François Ier, de manière tout à fait légale. Par conséquent, je vous en supplie, cessez d'accuser M. Martinez d'être auteur de ce vol impardonnable. Monsieur Martinez est né en 1964, c'est un archéologue, personne n'est parfait. C'est un archéologue, mais il a cette particularité, bien sûr, d'avoir été à la tête du département de ce que nous appelons au Louvre les AGER, les antiquités grecques, étrusques et romaines, et il a dirigé ce département pendant quelques années, j'ai noté ça, avant de devenir président-directeur du Louvre. C'est un archéologue, c'est un organisateur d'expositions, je me souviens de quelques-unes d'entre elles, Praxitèle, qui était une très belle exposition, Auguste, que vous avez pu voir à Rome, qu'on a pu voir ensuite au Grand Palais, des expositions toujours naturellement principalement consacrés à l'Antiquité, les antiques Borghese également, des expositions aussi qui font parfois le pont entre l'archéologie, bien sûr, l'archéologie, j'ai oublié de dire qu'il avait été membre de l'école française d'Athènes, entre l'archéologie donc romaine et grecque, et puis le collectionnisme au XVIIe siècle, Richelieu par exemple, collectionneur d'antiques. Donc son œuvre scientifique porte évidemment sur des domaines d'archéologie. C'est aussi quelqu'un qui aime le terrain, les fouilles, et par conséquent quelqu'un qui véritablement est dans la bonne tradition du Louvre et de cette spécificité des patrons des départements et des patrons du musée qui sont à la fois des savants et des gens de la pratique. Les responsabilités qu'il a sont immenses, bien sûr. Je voudrais simplement dire que chaque directeur, chaque président-directeur, je vais un instant revenir sur ce mot, a ses priorités. Je voudrais aussi dire une petite chose un peu différente, c'est que c'est un métier qui change considérablement et que je pense pouvoir dire que le métier que j'ai fait, Michel Laclotte, mon prédécesseur, n'aurait pas pu le faire, tant les choses ont changé. Je vous donnerai un exemple si vous voulez. Et en revanche, je n'aurais jamais pu faire le métier qu'a fait Henri Loirette, mon successeur, et je verrai bientôt, et j'aurais encore moins été capable de faire le métier qui attend M. Martinez, je le crois. Le métier change très vite. On croit que les choses ne bougent pas, ce n'est pas du tout le cas. Je prends un exemple tout simple. Le mécénat, qui est devenu une chose capitale pour les musées du monde entier, pour le Louvre aussi, bien sûr, n'existait pas du temps de M. Laclotte, de Michel Laclotte. Il n'existait pas et il lui était hostile. Non pas, je suis en très très bon terme avec Michel Laclotte, il n'y a aucune agressivité dans ce que je dis là, tout simplement parce qu'il pensait que c'était à l'État de prendre en compte complètement la charge du musée. C'est une évolution évidemment qui n'est plus du tout à la page aujourd'hui. Je voudrais insister sur un terme qui j'espère ne fera pas de peine à Madame Jamet ici présente, qui est le suivant. Le patron du Louvre est président-directeur. Il est président-directeur et il faut beaucoup insister sur cette double casquette. Il est président et il est directeur. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est essentiel d'avoir la double responsabilité, si j'ose dire, de la vie courante du musée, vie courante si j'ose dire, mais aussi d'une prospection à plus lointaine échéance, de la responsabilité du musée aujourd'hui et demain. En fait, je crois que c'est une très bonne formule parce qu'en général, quand il y a un président et un directeur, le directeur veut la place du président. Je ne pense pas que ce soit le cas de Mme Jamet. Mais on voit bien des cas, notamment dans le domaine politique, où en effet, il y a eu cette tendance du Premier ministre de vouloir la place du Président de la République. Donc je crois que c'est une très bonne chose qu'au Louvre, les deux fonctions soient réunies. C'est un peu une exception, il y a d'autres musées où c'est le cas. La majorité, malheureusement, des musées français n'ont pas cette unité directoriale qui me paraît une excellente chose. Voilà ce que je voulais un peu dire pour présenter Jean-Luc Martinez. Je voudrais quand même conclure sur une toute petite chose, parce que vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, mais pour l'écouter lui, bien entendu, c'est que je suis de ceux qui sont inquiets sur l'avenir des musées. Je le suis parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les choses ne vont pas tout à fait dans la bonne direction. On s'aperçoit que l'éphémère prend un rôle, une place cruciale au détriment du permanent. Et que la lutte pour essayer de rétablir une sorte d'équilibre, pour faire comprendre ce que c'est que le permanent, est absolument essentiel, absolument capital. Et que ce n'est pas le cas. Les musées, en grande partie, y compris le Louvre, sont vides. C'est un peu une provocation de dire ça. Mais si vous allez au Louvre, dans les salles que moi j'aime bien de la peinture, vous verrez qu'elles sont à peu près vides, si l'on accepte la grande galerie. Et c'est le cas des musées de province, c'est le cas d'un peu partout. Et la seule réponse qu'on peut faire, à mon avis, à cette désaffection, c'est l'Italie qui l'a donnée. Est-ce que je parle trop vite ? Non, non, oui, très bien. La seule réponse qu'on puisse donner à cette, qui est la bonne, et l'Italie, évidemment, dans ce domaine, a pris les devants, d'une manière, je trouve, exemplaire, c'est l'enseignement. Si l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans les lycées, si le public des jeunes n'est pas familiarisé avec les œuvres d'art, si la barrière que constitue le musée, difficile à franchir à partir d'un certain âge, subsiste, je crains le pire pour les musées. Donc, si j'avais une priorité à l'heure actuelle à défendre, et c'est celle, en effet, de cet enseignement d'histoire de l'art qui, en France, reste un vœu pieux. Ayant dit, je ne voudrais pas terminer sur cette phrase tellement pessimiste, et j'espère que M. Martinez sera là pour nous encourager dans d'autres directions. Je lui passe la parole. Et si vraiment ça me brûle, je vous interromprai pour vous poser une question au passage, si ça ne vous ennuie pas. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier à la fois l'Alliance Française, le Palazzo Grassi et Pierre Rosenberg de m'avoir invité à partager ce moment avec vous ce soir. Je vais essayer d'être bref pour laisser la place peut-être à des questions et vous présenter en effet ce que sont les enjeux qu'un musée comme le musée du Louvre doit relever aujourd'hui. Un mot pour présenter donc ce musée. Ce musée a beaucoup de particularités, vous le savez, qui expliquent sa place, puisqu'on n'arrête pas de dire que Pierre ou moi, nous dirigeons le musée le plus fréquenté du monde. C'est pas de la fausse modestie de ma part, nous y sommes pour rien, strictement pour rien, à savoir que ce musée, il offre plusieurs qualités, et d'abord d'être un palais, et un palais qui a compté pour l'histoire de France. Donc je me permets simplement de rappeler cela, parce qu'en effet, notamment depuis les travaux faits pour le Grand Louvre, on peut voir ce palais royal, et ce qui explique le succès auprès notamment des touristes étrangers, qui viennent à la fois voir une collection extraordinaire, mais aussi un palais, vous le savez, ce palais qui se trouvait à l'ouest de Paris, qui fermait donc l'enceinte de Philippe Auguste, qui était l'équivalent à l'ouest de la Bastille à l'est, et dont il reste donc des témoignages qui sont visibles. Donc ce palais a 8 siècles, puisqu'il a été construit à la fin du XIIe siècle. On le connaît également donc, par un certain nombre de représentations. Et dès cette époque, donc, et surtout à partir du XIVe siècle, une partie des collections royales sont conservées dans ce palais. C'est le cas d'abord de la bibliothèque, mais également de la ménagerie, donc une forme de collectionnisme des animaux. Et on comprend en effet que ce palais, dont la partie essentielle date, vous le voyez, du milieu de la première moitié du milieu du XVIe siècle, hein, sous François Ier, puis sous Henri II. Donc voilà le style de ce palais, hein. C'est un palais Renaissance, mais dont la partie Renaissance est très limitée finalement, puisque l'essentiel du palais est du néo-Renaissance du 19e siècle. Je me permets de le rappeler, parce qu'au moment où il y a eu cette polémique sur la pyramide, on a dit qu'il ne fallait pas altérer le vocabulaire architectural de ce palais, mais ce palais est d'abord surtout un palais du 19e siècle. Hein. Seule une toute petite partie de la cour carrée date du 16e siècle, puisque c'est simplement sous le règne de Louis XIV. Vous avez devant vous le pavillon Sully, hein, donc la partie la plus ancienne du palais, qui date véritablement du règne d'Henri II. Et le reste du palais, la cour carrée, a été donc créée sous Louis XIV, mais est restée inachevée. Vous connaissez peut-être cet épisode. Donc en 1678, le roi décide d'arrêter les travaux, ce qui explique d'ailleurs que les toits sont inachevés autour de la cour carrée, ce qui explique aussi le drôle d'état de ces salles parfois, mais ce qui a permis un éclairage zénital pour la peinture au deuxième étage. Et donc puisque la cour s'installe définitivement à Versailles. Et donc à partir de ce moment, pendant tout le XVIIIe siècle, le palais est le palais des académies et le palais des collections. Un certain nombre d'académies s'installent dans le palais du Louvre, des résidences d'artistes également, hein, puisque beaucoup de peintres, d'orfèvres, de sculpteurs, donc pensionnés par le roi, vivaient au Louvre. Et c'est ce qui explique pourquoi, à la fois cette tradition, hein, depuis le Moyen-Âge, de la présence des collections royales, mais également donc l'abandon par le pouvoir royal au XVIIIe siècle et finalement la transformation de ce palais en palais des arts, qui explique que dès le règne de Louis XV, et sous le règne de Louis XVI, émerge l'idée donc de transformer ce palais en musée, idée qui est, vous le savez, donc définitivement établie sous la Révolution, puisque le musée du Louvre, à proprement parler, ouvre le 10 août 1793, essentiellement donc la peinture à l'étage, donc ici un projet d'Hubert Robert, mais qui est resté à l'état de projet, et au rez-de-chaussée les antiques. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du palais devant vous, simplement pour vous rappeler que donc, de cette longue histoire palatiale, il faut retenir aujourd'hui que depuis la destruction des Tuileries en 1871, le palais du Louvre est dans son état du 19e siècle, hein, donc les deux bras tendus vers l'ouest, mais tendus dans le vide, puisqu'il n'embrasse plus le palais des Tuileries. Et donc, c'est le sens finalement du projet du Grand Louvre et de l'architecte américano-chinois Pei, qui en créant la pyramide, a voulu redonner un centre perdu, hein, puisque tout ce palais était construit pour les Tuileries et a en quelque sorte perdu son centre. Alors vous le savez, cet objet architectural est devenu lui-même une œuvre d'art. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs du musée viennent au Louvre pour voir la pyramide, qui est un lieu de, à la fois de promenade, mais également donc de découverte de Paris. Et donc c'est un des rares musées finalement par lequel son entrée est devenue aussi presque la première œuvre que l'on vient voir. Ce qui nous permet de rappeler en effet que le palais du Louvre, c'est non seulement un palais royal, mais également aujourd'hui le témoin d'une architecture contemporaine, puisque aussi bien en 1993 avec la couverture des trois cours Richelieu et en 2012 avec l'ouverture des Arts de l'Islam, on peut en effet au musée du Louvre aller voir de l'architecture contemporaine. Je vous montre, je vous rappelle ici le projet, enfin aujourd'hui réalisé, du département des Arts de l'Islam, que mon prédécesseur Henri Loirette a ouvert en décembre 2012. Donc bon, voilà, donc la France est aussi cette audace-là qui consiste à oser l'architecture contemporaine au cœur d'un palais ancien. Aujourd'hui, nous venons d'achever en quelque sorte le dernier projet de rénovation qui avait commencé il y a plus de 30 ans, en ouvrant en juin 2014, donc l'année dernière, les nouvelles salles consacrées au mobilier du XVIIIe siècle. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes déjà allé au Louvre qu'il faut cesser d'y aller. Hein, donc à chaque fois il y a de nouvelles salles à visiter, avec je ne sais pas ce que Pierre en pense ou en a pensé. Donc une sorte d'audace, puisque pour la première fois au Louvre, on a essayé d'acclimater ce que les Américains appellent des period rooms, c'est-à-dire l'évocation d'un art de vivre dans un contexte particulier. En tout cas, ça a rencontré une assez grande faveur du public, et ça me permet de répondre à Pierre Rosenberg, qui est que, en effet, notre souci, c'est de faire venir et revenir le public pour voir les collections permanentes, car nous ne sommes pas une Kunsthalle, nous ne sommes pas une galerie d'exposition. Je veux dire, chacun son métier, c'est un très beau métier que d'organiser des expositions temporaires, mais nous sommes un musée et nous sommes là pour d'abord former le goût des visiteurs. Et si nous, nous ne le faisons pas, alors en effet, comme Pierre l'a rappelé, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a plus de public de musée, il n'y aura plus qu'un public d'exposition. Alors aujourd'hui, après ce rapide rappel historique, qu'est-ce que le musée du Louvre aujourd'hui, en 2015 ? C'est d'abord, vous le voyez, un musée exceptionnel par sa taille, même s'il est beaucoup plus petit que l'Ermitage, par exemple. Donc, 70 000 m² d'exposition ouverte. À peu près 35 000 œuvres de montrées sur une collection qui on compte à peu près 450 000, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% de la collection qui est montrée. C'est plus de 2200 personnes, hein, parce que pour ouvrir ce musée, il faut en effet du monde. Bon, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques de ce musée. Ce musée n'est pas visitable en une seule fois. Donc c'est déjà une chose qu'il faut se dire, parce qu'en effet, on peut très bien, par exemple, aller à la National Gallery de Londres et imaginer en une journée traverser, peut-être pas voir, mais traverser les salles. C'est impossible au musée du Louvre. Alors le musée du Louvre, c'est aussi un environnement, puisque depuis maintenant 10 ans, depuis 2005, l'État français a attribué au musée le jardin des Tuileries. Donc, entre nous, c'est d'abord une charge, voilà, parce qu'un jardin de cette importance, c'est en effet un coût. Mais c'est aussi une chance, puisque vous savez que ce jardin est un jardin patrimonial français, hein, très important, qui a été parmi les parcs historiques les plus anciens de France. Hein. Le nôtre a d'abord travaillé aux Tuileries avant de travailler à Versailles, avec justement un patrimoine patrimoine important, aussi bien de sculptures anciennes que de sculptures modernes et contemporaines, hein, puisque André Malraux avait voulu placer les Mayolles en 1964, et que depuis, cette tradition a perduré jusqu'aux installations les plus contemporaines et la participation du Musée du Louvre à la foire d'art contemporain qui se tient à Paris et qui ouvre généralement autour du 20 octobre. Donc un jardin, mais c'est aussi et d'abord bien sûr des collections. Pour rappel, vous savez que le musée du Louvre est divisé en 8 départements de conservation, qui sont traditionnellement le département des peintures, le département autrefois dit des antiques, c'est-à-dire les antiquités grecques, étrusques et romaines, les seules qui comptent bien sûr, le département des antiquités égyptiennes, le département des antiquités orientales, le département des sculptures, qu'il faudrait mieux appeler le département de la sculpture européenne du Moyen-Âge au temps moderne, le département des objets d'art, le département des arts de l'islam, et un département qui est moins visible parce que tout simplement en raison des œuvres qu'il concerne, le département dit des arts graphiques, donc qui, comme vous le savez, les dessins ne pouvant pas être exposés plus de 3 mois, ne présente sa collection que par rotation. Donc ça, c'est un simple rappel pour vous dire que, bien entendu, aujourd'hui, le musée présente cette autre particularité hein, par rapport aux musées de tradition anglo-saxonne ou allemande, pour lesquels les pinacothèques sont distinctes des glyptothèques, hein, donc les musées de sculpture ne présentent pas de peinture, et encore moins d'archéologie. Hein, quand je suis arrivé au musée du Louvre, puisque c'est Pierre Rosenberg qui m'a recruté en 1996, il m'a demandé, vous vous occupez de cailloux? Oui, c'est à peu près cela, je m'occupais en effet de cailloux. Mais c'était bienveillant de sa part, je peux le dire. J'ai connu le Louvre avec 6 départements. Le département des dessins a pris son autonomie il n'y a pas longtemps, et l'islam encore plus récemment. Et il y a un petit jeu que jouent les conservateurs, c'est à l'échelle mondiale, classer les départements du Louvre en ordre d'importance. Quel est le département du Louvre qui peut s'affirmer être la plus grande collection mondiale? Et il y a, à mon avis, une réponse sur laquelle l'unanimité s'est faite. Je crois qu'il y a un département qui vraiment domine mondialement, c'est le cabinet des dessins. Je crois que les collections du cabinet des dessins est incomparablement, il n'y a pas d'équivalent de par le monde, mais de très loin. Donc, à partir de cela, les 7 autres départements, les classés mondiales, dans l'ordre de leur importance mondiale, est un petit jeu auquel vous pourrez vous pratiquer ce soir. Alors en effet, 250 000 dessins, hein, pour vous donner un ordre d'idée, puis plus la collection Edmond de Rothschild, donc, et donc la collection de la calcographie. Alors je ne me prêterai pas au jeu du classement, parce que je vais rentrer en France la semaine prochaine, et donc je ne veux pas mourir assassiné tout de suite. Donc le Louvre, c'est aussi donc, un public, parce que justement, il y a ce palais, il y a cette collection, mais il y a également donc ce public. Bon, exceptionnel, ces chiffres, je le répète, donc il reste un miracle. Pour la 3e année consécutive, nous accueillons plus de 9 millions de visiteurs. 9,3 millions, donc ça a toujours fonctionné comme ça, hein. Donc par palier, on franchit les paliers. Jusqu'où ira-t-on? Nous ne savons pas très bien. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, le public du Louvre est le public du grand tourisme parisien. Hein. C'est parce que Paris est la capitale du tourisme mondial que le Louvre accueille ce public. Avec un public qui aussi est très particulier, d'abord parce qu'il est jeune. On dit souvent que le public jeune ne va pas au musée, c'est pas vrai au Louvre. Donc, puisque, comme vous le voyez, 50% de nos visiteurs ont moins de 30 ans. Donc c'est un public à majorité composé d'étrangers. Parmi ces étrangers, donc bien sûr, la première nationalité, ce sont les Français. La deuxième nationalité, ce sont les Américains, pour être plus précis, les Américains des États-Unis. Hein. Il y a près d'1 million de visiteurs des États-Unis chaque année au Louvre. Hein. C'est donc à peu près le 3e musée américain, donc après le Metropolitan Museum. Alors après, Chicago et Washington se battent selon les années, mais le Louvre est donc le 3e musée américain. La deuxième nationalité, ce sont les Chinois aujourd'hui, donc j'ai remarqué aussi qu'ils étaient très présents à Venise, donc plus de 440 000 visiteurs chinois l'année dernière. Et la 3e nationalité, ce sont soit les Brésiliens, soit les Italiens, donc toujours très fidèles, les Italiens toujours très présents à la période donc, des fêtes, que ce soit de la Nativité, de l'Épiphanie ou de Pâques, environ 370 000 Italiens l'année dernière. Alors, ce musée, bien entendu, c'est un musée qui reste vivant et qui continue d'acquérir. Vous savez que la fiscalité française permet justement de retenir un certain nombre de trésors nationaux ou d'œuvres de première importance. Je me permets de vous montrer parmi les 88 œuvres qui sont rentrées l'année dernière dans les collections du musée du Louvre, deux acquisitions récentes, deux pots à oil. Alors ces pots à oil, ce sont ces plats d'orfèvrerie du début du XVIIIe siècle, hein, cette spécialité venue d'Espagne, introduite à la cour de France, qui est une forme d'entrée en quelque sorte, donc par un orfèvre biennais, œuvre exceptionnelle qui était conservée en Angleterre puisque commandée à l'orfèvre du roi par l'ambassadeur d'Angleterre en France, et qui porte les armes d'ailleurs du royaume d'Angleterre, et que le Louvre a pu acheter. À droite, la dernière peinture rentrée au département des peintures, donc un primitif valencien, Gonçal Périsse, donc offert par la Société des Amis du Louvre, puisque c'est aussi une des caractéristiques du musée que de disposer d'une société d'amis bienveillante et particulièrement dynamique. Alors vous savez, mes prédécesseurs ont lancé également des souscriptions nationales. Je me souviens de ce que vous aviez fait pour la Tour, pour d'autres. L'année dernière, nous avons lancé une souscription nationale pour tenter de conserver en France cette curiosité, donc ce curieux meuble qui est la table dite de Teschen, donc une œuvre entre une boîte à bijoux et une table conservée dans la famille de Breteuil. C'est un cadeau diplomatique, hein, offert par le roi de Saxe à l'ambassadeur de France, donc le baron de Breteuil, resté dans la famille donc depuis la fin du XVIIIe siècle, et donc nous tentons d'acquérir, que nous allons acquérir, pour la somme modeste de 12,5 millions d'euros. Voilà. Mais nous avons réussi à trouver cette somme, et notamment donc par ce mécénat populaire qui fait que chacun d'entre nous, donc d'entre vous, pouvait chaque année participer à l'acquisition d'une œuvre exceptionnelle. Et je me permets, donc, puisque Pierre Rosenberg y a joué un rôle particulier, de vous annoncer que cette œuvre, qui avait donc un des chefs-d'œuvre de ce peintre français Vernet, La Vue d'Avignon, qui avait quitté la France à l'époque révolutionnaire pour l'Angleterre, a pu être acquise donc par un mécène pour le musée du Louvre, et que cette œuvre va rentrer dans les collections du musée du Louvre, voilà, normalement dans quelques semaines. J'en ai maintenant la garantie. Au Louvre, pas à Avignon. Au Louvre, oui. Pas à Avignon. Au Louvre. Donc un vrai chef-d'œuvre. Hein. Donc alors, le musée du Louvre, c'est bien entendu une politique d'acquisition des collections, mais c'est aussi une programmation d'exposition. Et pour rebondir sur ce que l'interrogation que soulevait en introduction Pierre Rosenberg, je voudrais dire ici que nous cherchons à construire une programmation d'exposition qui permette de rappeler le lien avec les collections permanentes. Alors un mot sur la programmation qui vient de s'achever. Nous avons pu montrer la collection d'Abu Dhabi au musée du Louvre. C'est l'affiche que vous avez à gauche. Je vous dirai un mot du projet d'Abu Dhabi tout à l'heure en conclusion. Et puis nous avons pu organiser la première grande exposition du nouveau département des arts de l'islam, consacrée au Maroc médiéval. Là aussi pour rappeler en effet que le musée du Louvre, c'est aussi un très grand musée d'art islamique. La programmation de l'année dernière, la programmation en cours, c'est aussi une très riche programmation en archéologie grecque et romaine. Pierre a fait allusion à l'exposition Auguste que nous avons organisée avec nos collègues donc du Quirinal et des musées capitolins, qui s'est tenue à Paris, puis donc au Quirinal. Et actuellement, vous avez une exposition consacrée à Rhodes, et donc avec nos collègues grecs, et nous organisons bientôt une exposition consacrée à la restauration de la victoire de Samothrace, puisque c'est un des événements majeurs de l'année dernière. Nous avons restauré et remis en place ce monument célèbre de la sculpture grecque. Alors la programmation de l'année 2015, elle est très riche en événements. C'est une véritable saison du XVIIe siècle, puisque aura lieu à Paris donc trois événements contemporains au printemps. Donc une exposition consacrée à la peinture religieuse de Poussin, donc en mars au musée du Louvre, que les commissaires ont voulu appeler Poussin et Dieu. C'est le dernier titre. Oui. Accompagné d'une exposition consacrée justement à la fabrique des saintes images, et j'insiste sur ce point parce qu'il est évident que le public d'amateurs connaît Poussin, connaît la peinture religieuse du XVIIe siècle, mais ce public est de plus en plus rare, et il est évident qu'il est de notre responsabilité d'éduquer un nouveau public pour cet art qui paraît de plus en plus éloigné, ne serait-ce que par rapport aux références, bien entendu, iconographiques, religieuses, spirituelles. Et donc, notamment, comprendre ce qui s'est passé dans l'Europe de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Le point donc, est aujourd'hui, où, comme vous le savez, en France, la question de la caricature et de la représentation de Dieu a été posée de manière particulière. Rappelez que cette question-là aussi a une histoire, qu'il y a eu des crises iconoclastes en Europe au XVIe siècle et qu'il y a eu des réponses. Je pense que c'est aussi notre devoir, non seulement pour former donc, de nouveaux publics pour les musées, mais tout simplement pour former des citoyens. En cette saison du printemps 2015, nous allons montrer également, cette fois-ci au Grand Palais, une rétrospective consacrée au peintre espagnol Velázquez. C'est la première grande rétrospective de Velázquez organisée en France que nous faisons grâce à nos bonnes relations avec le musée du Prado, puisque en échange, le musée du Prado va présenter une exposition à Ingres, donc voilà, l'Europe culturelle en marche, des Espagnols qui montrent des peintres français et des Français qui montrent des peintres espagnols. Alors cette programmation, elle est encore diversifiée. Au Louvre, nous allons montrer également les nouvelles découvertes archéologiques de la Bulgarie. C'est un champ qui s'ouvre devant nous, hein, puisque l'Europe de l'Est a longtemps été fermée et aujourd'hui donc nous tentons de faire le lien avec un certain nombre de pays de l'Est. L'Italie est bien sûr toujours présente, hein, donc la mère patrie des arts. Vous savez, je ne cesse de dire que le Louvre est un musée italien. Et en effet, nous programmons pour cet automne une exposition Parmesan, essentiellement autour donc, de l'œuvre dessinée de Parmesan. Je vous ai déjà parlé de l'exposition consacrée à Victoire de Samothrace. Et cet automne, une exposition consacrée à la rencontre entre l'art contemporain et l'art ancien, organisé par Jean Nouvel autour du livre de Jacques Attali, Brève histoire de l'avenir, donc qui sera contemporaine de l'ouverture du colloque international sur le climat qui se tient à Paris, donc le Louvre voulant être aussi faire partie de cette actualité. Un mot pour la programmation à venir, pour que vous calculiez déjà quand vous allez venir à Paris et au Louvre. Après cette saison du XVIIe siècle, une saison du XVIIIe siècle en 2016, puisque deux monographies seront à l'affiche. Edme Bouchardon, donc le sculpteur français, et Hubert Robert. Et une saison hollandaise pour 2017, puisque est programmée une exposition Vermeer et la peinture de genre, organisée avec Dublin. Alors le Louvre, c'est bien entendu, au-delà de ce qui se passe dans le palais parisien, un certain nombre d'événements aussi à l'extérieur. Vous savez que c'est une des manières de rencontrer le public, que de montrer les œuvres à l'étranger. L'exposition qui s'est tenue en France donc sur le Maroc médiéval va être présentée et inaugurée par le roi du Maroc dans quelques semaines au Maroc même. Va être présentée au mois de février une exposition consacrée à la peinture de genre au Japon. Donc, puisque comme vous le savez, le musée du Louvre entretient des relations particulières, on pourrait dire ça comme ça, Pierre, avec le Japon, depuis de très nombreuses années. Et puis je vous ai parlé donc de cette saison espagnole, qui fait qu'aujourd'hui nous présentons une exposition d'art égyptien ancien à Lens, et que cette exposition va voyager en Espagne, et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, cette exposition Ingres qui va avoir lieu au Prado. Le Louvre, c'est aussi, bien entendu, des relations internationales dans le domaine donc, des échanges d'œuvres, de prêts, de rencontres, de colloques, mais c'est aussi des fouilles, puisque vous savez que ce musée a la particularité de fouiller à l'étranger, donc en Égypte, autrefois en Syrie, en Irak, mais bien entendu, vous comprenez bien, plus maintenant. Donc, ce qui fait que les chantiers archéologiques se sont déplacés en Ouzbékistan ou au Turkménistan. Donc, mais c'est le cas également en Italie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir des fouilles avec la surintendance du Latium il y a 2 ans à Gabi. Hein, Gabi, c'est à tout près de Rome, pour la simple et bonne raison que nous cherchons à faire le lien entre l'archéologie du XVIIIe siècle et l'archéologie contemporaine, puisque le Louvre a acheté, je voudrais le rappeler, en 1807, la collection du prince Borghese, et que dans cette collection, il y avait en effet le fruit des découvertes archéologiques faites sur les terres des Borghese, et donc notamment à Gabi, et que nous reprenons avec nos collègues italiens, donc l'exploration de ce site archéologique. Le Louvre, c'est également donc des expertises et des chantiers à l'étranger. Je me permets de signaler ici une collaboration en cours avec le musée du Bardo en Tunisie, où nous avons ouvert un atelier de restauration, où nous formons donc des jeunes restaurateurs tunisiens. C'est aussi un pari pour l'avenir, hein, pour qu'il y ait dans ce pays des collègues formés. Et puis le Louvre, vous le savez, c'est également aujourd'hui donc un nouveau musée donc, qui se situe à 200 km au nord de Paris, dans un territoire qui paraît ô combien improbable, puisque c'est à Lens, comme vous le voyez sur cette photographie aérienne. Lens, c'était autrefois donc une ville d'exploitation minière, hein, c'est un des rares endroits en Europe où sont encore conservés des terrils qui sont d'ailleurs aujourd'hui classés, hein, donc patrimoine donc, industriel. C'est une ville bien entendu industrielle avec ses maisons de coron, une des rares villes de France de cette taille à ne pas disposer de musées. Et les hommes politiques du Nord-Pas-de-Calais ont voulu, en effet, créer un musée en ce lieu. Et il a fallu à la fois l'audace de mon prédécesseur, Henri Loirette, et de celle du président de la région, Daniel Percheron, pour imaginer ce lieu. Donc je vous invite hein, à aller le voir si vous n'avez pas vu ce musée. C'est assez facile, hein, c'est 1h15 de train hein, depuis Paris. Ce sont des architectes japonais de l'agence Sanaa qui ont créé ce bâtiment tout en longueur, dans lequel nous présentons les chefs-d'œuvre de la collection du musée du Louvre, environ 205 œuvres présentées dans cette galerie du temps, classée chronologiquement, mais aussi donc une programmation d'exposition, avec en ce moment, donc, comme je vous le disais, cette exposition consacrée donc, au culte de l'animal dans l'Égypte ancienne, et cet été, une exposition faite en collaboration avec certains de nos collègues italiens, qui veut montrer donc, les relations donc, à la fin de l'âge gothique, donc essentiellement donc, au début du XIIIe et au XIVe siècle, entre Paris, Pise, Sienne et Florence, donc une exposition consacrée aux échanges et à l'introduction de l'art gothique dans cette région de l'Italie. Le Louvre de demain, c'est bien entendu un Louvre qui doit s'adapter à cette hyperfréquentation que certains diront nous subissons, puisque en effet, il faut bien savoir que 9 millions de visiteurs, ça signifie que à certaines périodes de l'année, mais à certaines périodes seulement. Donc le Louvre est parfois saturé, mais comme l'a rappelé Pierre Rosenberg, ce n'est pas tout le Louvre. Et c'est très étonnant, puisque je ne cesse de le répéter, au moment où il y a 3000 personnes dans la salle de la Joconde, il peut y avoir personne devant Rembrandt, Vermeer, et encore moins devant Chardin. Donc... Donc, je vous invite, quand vous allez au Louvre, donc, à prendre des chemins de traverse pour justement aller au-delà de la fréquentation. Mais nous avons pris acte donc, de cette hyperfréquentation et nous avons entrepris des travaux donc, qui ont commencé l'année dernière, qui vont s'échelonner sur 3 ans. Un projet de près de 60 millions d'euros que nous pouvons financer grâce à l'argent d'Abu Dhabi, qui consistera, et ça a commencé, à améliorer les conditions d'accueil tout simplement matérielles. D'abord en doublant les entrées sous pyramide. À l'heure actuelle, vous le savez, il y a une seule porte d'entrée par la pyramide. Nous allons en créer une deuxième, donc avec 2 donc files d'attente possibles. En créant aussi, vous voyez ici, ce sont des images de synthèse, un nouvel accueil du public en le dédoublant, hein, donc ici, et en créant une nouvelle billetterie et aussi en développant une bagagerie, des toilettes, puisque bien entendu, la pyramide avait été ouverte en 1989. À un moment donné où la fréquentation du Louvre était inférieure à 3 millions de visiteurs, où, pays imaginé, nous imaginions ensemble que ça allait grimper autour de 4,5 de visiteurs, et aujourd'hui on est à plus de 9 millions, donc il est clair que les infrastructures ne sont plus à la mesure de cette fréquentation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la visite de ce musée commence par une expérience pas très agréable, on fait la queue, on cherche où acheter un billet, et je pense que nous arriverons à résoudre cette question d'ici quelques années. Une inauguration de ces infrastructures est prévue donc en juin 2016. C'est aussi essayer d'améliorer la lisibilité de l'offre, comme diraient des marchands, à savoir que l'autre défaut peut-être du musée du Louvre, c'est que le musée est très très grand et qu'à part la Joconde ou la Vénus de Milo, le grand public ne sait pas très bien quoi aller voir et et où aller. Et donc, comme la plupart de ces chefs-d'œuvre, la peinture italienne et la sculpture grecque se trouvent au sud, dans l'aile dite de Non, la majorité du public se trouve dans cette partie du palais. Donc, une partie de notre volonté consiste à essayer de faire que le public aille vers l'aile nord et aille vers l'aile est, donc vers la cour carrée, d'où notre programmation d'exposition, vers la peinture française et vers la sculpture française et vers la peinture hollandaise, pour justement au même moment dire aux gens, il y a des expositions, mais allez voir les salles permanentes de peinture hollandaise, de sculpture française et de peinture française, puisque au moins dans ces trois domaines, le Louvre en effet peut prétendre être au sommet du podium. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité développer dans l'aile Richelieu, donc le pavillon que vous voyez ici, qui se trouve donc l'aile Richelieu au nord, le long de la rue de Rivoli, et dans l'aile Sully, donc le pavillon Sully qui se trouve à l'entrée de la cour carrée, deux projets nouveaux, donc dans l'aile Richelieu des salles consacrées à l'éducation artistique, qui sont comme une forme d'initiation à l'histoire de l'art pour tous les publics, dans lequel en effet on présenterait une soixantaine d'œuvres tout simplement, mais qu'on décortiquerait, puisqu'il faut apprendre à regarder, et en effet comme sans désoler Pierre Rosenberg, il n'y a toujours pas d'enseignement d'histoire de l'art en France, et nous nous devons donc de donner des clés d'interprétation, et ces salles pourraient servir d'introduction ou de conclusion à qui voudrait aller voir autre chose que la Joconde et la Vénus de Milo. Et le pavillon Sully, qui comme vous le voyez se trouve donc juste derrière la pyramide, comme lieu en quelque sorte d'introduction à la visite du palais, c'est déjà le cas, hein, puisque les ruines du palais médiéval se trouvent dans les fondations de ce pavillon, et que donc sur les deux étages, nous pourrions montrer les collections. Il s'agit de présenter là aussi une sélection des œuvres pour montrer les parcours. Parce qu'aujourd'hui, les visiteurs ignorent qu'il y a de la peinture espagnole au Louvre, qu'il y a de l'art iranien du XVIIIe siècle, etc., etc. Donc c'est tout simplement en faire une sorte de centre d'interprétation du musée du Louvre. Un mot pour conclure de deux projets qui vont voir le jour bientôt. Vous le savez, la France a signé en 2007 un accord intergouvernemental avec les Émirats arabes unis pour l'aide à la construction et développement d'un musée à Abu Dhabi. Donc c'est d'abord un architecte français qui a été choisi, Jean Nouvel, et ensuite seulement donc, le musée du Louvre. Donc ce musée donc, qui doit ouvrir, qui sera prêt à la fin de l'année, qui ouvrira fin 2015 ou début 2016. Vous en voyez ici des images de synthèse. Donc je me permets de vous rappeler où est Abu Dhabi, hein, donc entre le Qatar et l'Oman, c'est-à-dire sur la route de commerce qui reliait dès l'Antiquité la vallée de l'Indus à la Mésopotamie, donc on est au cœur des échanges. Donc dans ce lieu très étonnant, donc les Émiriens ont fait le pari de développer une île des musées du XXIe siècle, pour utiliser la terminologie allemande, puisque le musée du Louvre à Abu Dhabi que vous voyez ici sur la diapositive à droite, dans une image de synthèse, sera accompagné d'un musée Guggenheim, donc que vous voyez à gauche, et au centre d'un musée national consacré donc à la culture d'Abu Dhabi. Donc trois musées. Le musée se veut un musée très novateur, avec la construction d'une énorme coupole qui a pour fonction d'abord d'abaisser la température, puisqu'il fait plus de 50 degrés en été dans ce pays, et aussi de filtrer la lumière. Bien entendu, les œuvres seront à l'abri dans des petits pavillons parfaitement climatisés. Le musée est en cours de construction. La construction a commencé en janvier 2013. Aujourd'hui s'achève la construction de la coupole. Donc j'y vais la semaine prochaine, comme très régulièrement. Ce sera un très très grand musée. Franchement, donc à chaque fois que j'y vais, je vous dis pas ça parce que je suis président du directeur du musée du Louvre, hein, mais je suis toujours très très étonné, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce musée, voilà. Je vous assure que quand vous visitez ce chantier gigantesque, moi j'ai l'impression d'être un Américain visitant Paris en 1889 au moment de la construction de la Tour Eiffel, hein, c'est une espèce d'émerveillement, et je pense qu'en effet c'est à la fois un projet très audacieux, et puis sur place c'est l'idée de présenter toutes les cultures du monde. Alors ça peut faire sourire, ça peut être utopique, mais un pays, et notamment un pays arabe, qui choisit de montrer la diversité culturelle, je pense que les Français devraient être fiers de participer à ce projet. Et puis nous avons un autre projet structurant donc qui va voir le jour bientôt. Comme je vous l'ai dit, il existe donc ce musée qui se trouve donc à Lens, et nous allons construire un centre de restauration et de conservation à proximité, puisque comme vous le savez, le musée du Louvre a des réserves, mais des réserves qui sont inondables, et donc avec cette idée donc de présenter à proximité du Louvre-Lens une grande partie de nos collections. Voilà pour ce qu'est l'avenir de ce musée. J'ai essayé de vous résumer ce qu'est notre actualité, et je l'espère vous donner envie de revenir nous voir. Je pense que vous allez poser toutes sortes de questions. Je voulais simplement dire que j'ai oublié de dire, et je m'en veux, que en fait, le président-directeur doit être un conservateur. C'est la loi qui l'impose, et c'est très important que le président-directeur du Louvre soit un scientifique, et même un archéologue est un scientifique, mais ça va jusque-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est revenir à une bonne tradition, puisque au XVIIIe siècle, l'archéologie l'emportait de beaucoup sur la peinture. Et en fait, le rôle prééminent qu'a eu la peinture, le rôle prééminent que le fait que les trois directeurs du Louvre étaient plutôt des spécialistes de peinture, et personne n'est parfait, et donc c'est un retour à la juste d'avoir un archéologue à la tête du Louvre. J'ai reçu de dire que la salle de la Vénus de Milo, qui a été réinstallée il y a quelques années, vous est due, qui est une très belle réussite, et que la victoire de Samothrace restaurée, évidemment, est un événement incontestable et une belle réussite également. Tout le monde regarde le petit bout de la main qui a été retrouvé, je crois, à Vienne, c'est bien ça, qui vient de cette... Alors, voilà, la main de la victoire de Samothrace est très admirée. Voilà ce que je voulais, mais je pense que vous avez toutes sortes de questions, même les plus indiscrètes, à poser à M. Martinez. Alors dans ces cas-là, qui le premier se lance? Bien sûr, potete fare delle domande in italiano, su questo non c'è problema. J'aimerais ne faire que des compliments, mais avant d'être fier du Louvre à Abu Dhabi, j'aimerais être fier du Louvre à Paris. Souvent, vous souffrez comme moi, une fois que vous avez pénétré dans le Louvre par la pyramide, d'avoir cet atmosphère de basse-cour et qui vous accueille. C'est absolument hallucinant. J'y vais souvent et j'évite la journée pour ne pas être, comment dirais-je, accommodé par cette atmosphère. Et pourquoi est-ce qu'il faut tellement d'années pour mettre un tapis enfin sous la pyramide, comme on fait à un aéroport comme Singapour? Il y a tapis partout. Qu'est-ce qui empêche que le Louvre achète un tableau en moins et s'offre un tapis pour la pyramide? Je peux répondre avant que vous ne répondiez, pour dire que c'est incontestablement un des échecs dont nous avons eu conscience très tôt, de la médiocre insonorisation du hall. Et les travaux, maintenant c'est vous qui allez parler, l'insonorisation du hall est un grand échec. Et d'ailleurs, en fait, si vous regardez l'insonorisation d'Orsay, dont on parlait il y a 15 jours, elle est bien meilleure que celle du Louvre. Et je crois que les travaux que vous avez entrepris prennent en compte justement cette carence. Oui, donc pour vous répondre, monsieur, on est très conscient hein, donc de ces difficultés. Pierre Rosenberg a été jusqu'à parler d'échecs. En effet, c'est la partie la moins réussie. Donc imaginez pour les visiteurs, mais imaginez aussi pour les personnels hein, qui travaillent là, le niveau sonore étant en effet au-delà de tout. Donc c'est une, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est un des éléments majeurs du projet que nous appelons pyramide. Nous ne pouvons pas, par respect de l'architecture de paille, mettre des tapis d'insonorisation. Mais ce que nous avons fait, c'est que, comme vous l'avez vu peut-être sur la photographie, nous allons en effet percer donc les trièdres qui se trouvent à l'entrée ici, et ces parties-là que vous voyez peuvent être insonorisées. Donc ces deux parties, donc la banque d'informations et les informations seront dans un espace insonorisé. De la même manière, la billetterie, parce que pourquoi il y a beaucoup de bruit aujourd'hui? Parce que toutes les fonctionnalités du musée se retrouvent sous la pyramide. C'est là qu'on achète son billet, c'est là qu'on demande des informations, c'est là qu'on attend, c'est là qu'on va vers la bagagerie. Or, l'idée un peu simpliste, mais qui je pense sera efficace, c'est de placer la billetterie dans un espace insonorisé, justement pour que les gens puissent acheter et attendre leur billet dans un espace plus confortable, table dans laquelle ils pourront s'asseoir, parce que vous parlez du bruit, mais l'autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir non plus. Donc en fait, les gens sont debout. Alors ça ne va pas résoudre toutes les questions de sonorité, mais je pense que ça va largement contribuer à casser cette volière que vous décriviez, hein, qui est qu'en effet, la première impression du musée du Louvre, c'est d'arriver dans une bouche de métro, hein, donc, et que c'est en effet assez pénible. Mais on a bien pris acte de ce désagrément, qui est lié aussi finalement au succès. Il est évident que si le musée du Louvre accueillait 50 000 visiteurs, cet espace majestueux vide, et nous le voyons de temps en temps le mardi, donc est particulièrement agréable. A questo proposito, leggendo un dizionario amoureux del Louvre che ha scritto Pierre Rosenberg, mi era venuta quella nostalgia delle entrate laterali, che capisco essere una cosa di un tempo, come il museo archeologico qui a Venezia, che invece bisogna attraversare tutto il correre. Però forse qualche piccola eccezione, un altro sistema che permettesse di entrare a volte in qualche porta o ingresso che una volta era accessibile direttamente per le sale più lontane dall'ingresso principale. Sì. Si vous permettez, je vous réponds en français. Vous parliez, donc si j'ai bien compris, vous parliez des questions donc des autres entrées, des entrées latérales, c'est bien cela? Je me permets de montrer ici une vue du palais. La question a été déjà abordée, puisque vous savez peut-être que l'on peut rentrer également, non seulement par la pyramide, mais également donc par la porte dite des lions, qui se trouve donc au bout de la grande galerie, donc ici sur la photographie à droite. Or, ce que nous remarquons, c'est que même quand il y a 3h30 de queue, parce qu'il peut y avoir le 15 août par exemple, il y a 3h30 de queue pour entrer au musée du Louvre, et donc on envoie des personnels dire aux gens, mais il y a une porte qui est ouverte, porte des lions, allez à la porte des lions. Les gens ne veulent pas aller à la porte des lions parce qu'ils veulent rentrer par la pyramide, parce que ça fait partie, alors maintenant dans les vocabulaires à la mode on parle d'expérience de visite, ça fait partie de l'expérience de visite que de rentrer au Louvre par la pyramide. Alors plaisanterie à part, je pense que notamment la question de la réouverture de la colonnade va se poser, parce que je suis de ceux, je crois que Pierre Rosenberg partage mon opinion, qui considère que l'effet, un des effets malheureux de l'ouverture de la pyramide a été le fait que la colonnade, donc c'est-à-dire la colonnade de Perrault, c'est-à-dire la façade est, la façade sur la ville du palais, donc l'entrée que voulait Louis XIV, hein, qui était en fait l'entrée royale, donc ici en haut à droite, est aujourd'hui complètement négligée. C'est même une espèce de no man's land, auquel nous contribuons d'ailleurs, puisqu'il y a des affreux préfabriqués, mais ça c'est un autre sujet. Et alors que c'est une partie centrale, hein, autrefois, donc c'était le lieu de rencontre entre le palais et la ville, donc aujourd'hui c'est une espèce de chose abandonnée. Et je pense que, bon, j'ai revu le maire du premier arrondissement encore la semaine dernière, je crois qu'on peut faire mieux, et une des choses ce serait d'ouvrir, donc de rouvrir cette entrée, et donc nous essayons donc avec le maire du premier arrondissement de rendre cette rue piétonne, ce qui permettrait de créer une place particulièrement agréable pour les visiteurs, sachant que quand aujourd'hui les visiteurs arrivent par la station, l'ancienne station Louvre, donc Louvre-Rivoli aujourd'hui, ils ne savent même pas que l'énorme bâtiment qui est devant eux est le musée, puisque, bien entendu, l'image de la pyramide a troublé en quelque sorte l'idée du musée. C'est par exemple que Bernin voulait que c'est l'entrée que Bernin voulait pour le Palais Royal. Bernin a travaillé sur cette entrée-là. Bonjour, excuse-moi, c'est sûrement ma faute puisque je n'ai pas bien suivi la chose. Je me demande à Abu Dhabi, combien d'œuvres vous imaginez que seront logées là-bas et quelle sorte de collection? C'est immense le musée des Jean Nouvel. Alors, c'est pas que vous n'avez pas compris, c'est que je ne l'ai pas dit. Donc votre question va me permettre de préciser les choses. Le musée n'est pas si grand que cela. C'est-à-dire qu'il paraît très très grand, parce qu'en effet, c'est une coupole qui fait à peu près 180 mètres de diamètre, mais cette coupole, elle abrite à la fois un restaurant, un espace d'exposition temporaire d'environ 2000 mètres carrés, donc c'est grand mais c'est pas gigantesque, il y a beaucoup plus grand. Donc elle abritera aussi un petit musée des enfants, des ateliers et des espaces donc d'exposition permanents, donc des salles permanentes qui font environ 7000 mètres carrés. Donc c'est pas gigantesque. Hein. Donc voilà. Donc combien d'œuvres seront présentées à l'inauguration, donc début 2016, comme je l'ai dit, il y aura de présenter environ 900 œuvres de présenter sur, donc vous voyez, 7000 m² à peu près. Et en fait, l'accord prévoit que les musées français prêtent des œuvres des musées français pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, les musées français vont prêter 300 œuvres, le musée du Louvre en présentant le tiers, donc soit une centaine d'œuvres. Et le reste, donc 300 prêts français, et donc 600 œuvres appartenant à la collection nationale d'Abu Dhabi. La collection nationale d'Abu Dhabi compte aujourd'hui à peu près 600 œuvres, donc c'est-à-dire que tout sera présenté au moment de l'inauguration. Alors quelle est la nature de ces œuvres? C'est un musée qui se veut universel, c'est-à-dire qui prétend présenter les civilisations de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Alors vous voyez, ça veut dire toutes les techniques et toutes les civilisations. Donc ce sont l'ensemble des musées français qui sont prêteurs, non seulement le Louvre pour les civilisations qu'il abrite, et ils nous prêteront donc des peintures, des sculptures, des objets archéologiques, etc. Mais c'est également le musée national des arts asiatiques, le musée Guimet, c'est le musée d'Orsay qui prête également, donc c'est le musée Beaubourg qui prête, c'est le musée national d'archéologie, enfin voilà, il y a donc à peu près une quinzaine de musées français donc, qui vont prêter ces 300 œuvres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le catalogue de la collection nationale d'Abu Dhabi. Il y a un certain nombre d'œuvres d'importance variée. Le musée du Louvre, quant à lui, a annoncé un certain nombre de ses prêts. Vous savez que, par exemple, la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci va être prêtée à Abu Dhabi, pour donner l'exemple d'une peinture, mais que, par exemple, le musée d'Orsay va présenter le Fifre de Manet, par exemple, ou un autoportrait de Van Gogh, pour donner un autre exemple d'une œuvre conservée dans la collection française fameuse. Avec l'idée, vous voyez, donc, de ce temps particulier, 10 ans de prêt, parce que l'idée, c'est que, bien entendu, progressivement, donc, ce ne soit que la collection nationale d'Abu Dhabi qui soit présentée. Et exclusivement. Donc la France prête pendant 10 ans, pendant 15 ans organise les expositions et le nom du Louvre est prêté, on va dire ça comme ça, pendant 30 ans. Io sono rimasta incredibilmente stupita da come lo Stato francese, il governo francese concentra la propria attenzione sul museo come luogo del progresso dell'uomo e come sede di un sapere da diffondere con una responsabilità orientata verso, non solo verso il turismo e verso la possibilità di guadagnare, ma soprattutto verso l'educazione, verso la formazione delle persone. Ecco, mi stupisco in fondo di alcune domande molto pragmatiche che sono forse doverose, ma vorrei sottolineare la enorme differenza rispetto allo sforzo minore, minimo, che lo Stato italiano dedica ai propri beni, è veramente incredibile e sono anche convinta che la storia dei musei di Parigi in qualche modo segna il progresso della cultura occidentale. Si potrebbe studiare il progresso della cultura occidentale dalla rivoluzione francese in poi quasi esclusivamente attraverso la storia dei musei di Parigi. Veramente segnano il progresso della civiltà e anche in questa presentazione, in questa apertura, non è d'accordo, io assolutamente sì, questa capacità di promuovere cultura, in fondo si parla di Abu Dhabi come di un progresso, di un programma che è stato anche in qualche modo criticato, però apprendo io adesso per la prima volta che è un programma di 10 anni, non più di 10 anni, che le collezioni locali sono abbastanza ricche, che il Louvre promuove mostre, in realtà è cultura che si diffonde. Io trovo che lo Stato italiano fa veramente poco, non forma il proprio personale, è arretrato, non spende, cioè veramente sono stordita da questa realtà. E vorrei che il pubblico italiano percepisse questo straordinario livello, senza soffermarsi poi sui 1000 problemi che effettivamente notiamo quando visitiamo il Louvre dovuto alla quantità di persone, però ammettiamolo, è così, va detto. Ha parlato la direttrice della Brera di Milano, ma tutti e due credo abbiamo da difendere un po' l'Italia, perché la situazione italiana non è così male, il patrimonio italiano è ben curato paragonato al per esempio, per prendere l'esempio delle chiese, le vostre chiese sono molto meglio curate delle nostre e sono molti punti sui quali abbiamo da guardare verso l'Italia. E come dicevo prima, l'educazione a scuola qui in Italia è una cosa che non abbiamo in Francia. E posso aggiungere una piccola cosa? Sì, c'è ancora qualcosa, ma la cosa che vorrei dire, e non so se Jean-Luc Martinez sarà d'accordo con me, che tra i 370.000 visitatori italiani del Louvre c'è il pubblico italiano, e quando vado nel museo ancora oggi qualche volta e quando sento un italiano dire di fronte a un quadro italiano e nostro, c'è un qualche cosa di commovente. Che il museo è un museo, credo è vero per tutti i dipartimenti, molto italianofilo, e che anche di più credo che la maggioranza dei curatori del museo parlano italiano. C'est vrai? Sì. Je voudrais juste compléter, je ne me permettrai pas de commentaire sur le patrimoine et la culture en Italie, mais sur les églises je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi propre à l'histoire française. Je voulais simplement dire, pour vous donner des chiffres, qu'en effet, les musées français, en tout cas les musées parisiens, sont très liés à l'État. Et en effet, pour vous donner simplement un chiffre, donc le budget du musée du Louvre, c'est 230 millions d'euros. À peu près, l'État donne 90 millions d'euros par an. Donc le premier mécène du musée du Louvre, c'est l'État français. Le deuxième, ce sont les visiteurs, parce que le prix d'entrée, qui est finalement assez modique, puisque je viens de voir le prix d'entrée du musée au Correr à 17 € ici, et que le Louvre n'est qu'à 12 €. Donc le deuxième mécène du musée, ce sont les visiteurs, puisque le pilier d'entrée rapporte 70 millions d'euros. Mais c'est vrai que, comme l'a rappelé Pierre Rosenberg en introduction, aujourd'hui, sans les mécènes, sans une forme de location aussi d'espace, le musée du Louvre ne pourrait plus ouvrir au public. Donc la relation à l'État a changé en une génération. Donc il y a seulement 30 ans, les musées français ouvraient uniquement avec l'argent de l'État. Aujourd'hui, pour à peu près un tiers, donc le budget de fonctionnement d'un musée comme le Louvre vient de mécénat et de location. Voilà, donc ce qui fait que même si l'investissement est d'abord un investissement d'État, donc d'où aussi le fait que nous ayons des missions peut-être que d'autres musées dans le monde n'ont pas. C'est-à-dire qu'en effet, on a des missions d'éducation peut-être plus politiques encore que dans certains pays. Buonasera, ho visto una diapositiva che mi ha impressionato moltissimo, con due ellissi rosse e due progetti, credo, uno per il restauro, credo sia vicino alla città di Lens o nella città di Lens, verso la fine. Eccola, ci può raccontare qualcosa di più di questo? Alors, en effet, vous avez ici une vue de la zone de Lens. Donc, en haut à droite, vous avez le musée tel qu'il est ouvert donc, depuis décembre 2012. Donc, donc le musée du Louvre à Lens. Et vous avez en bas à gauche de la diapositive ce que va être l'emplacement du futur centre de conservation, hein, donc qui sera lié au musée. Nous en sommes uniquement au début du concours. Hein, le concours architectural va avoir lieu là, au mois de mars. Nous allons désigner l'architecte, pour une construction du bâtiment qui doit commencer en 2017 et donc l'ouverture prévue en 2018. Il s'agit d'y transférer une grande partie des œuvres qui sont actuellement en réserve au musée, et notamment les grands formats, puisqu'il n'y a pas d'atelier de restauration de grands formats en région parisienne. Donc il s'agit d'y transférer les grands cartons, les cartons de tapisserie notamment, mais également les tapisseries elles-mêmes, et de disposer de nouveaux ateliers pour traiter ces œuvres particulières. Donc centre de restauration, centre de conservation, c'est un projet qui coûte là aussi environ 60 millions d'euros, qui est lié à notre musée à Lens. Tout simplement parce que si vous l'avez visité, vous savez peut-être qu'à Lens, nous disposons d'espaces de réserve dites visitables et d'espaces de restauration qui sont visitables par le public. Donc c'est le moyen aussi d'alimenter cette particularité du musée du Louvre à Lens. Oui, j'ai découvert pendant votre conférence que vous alliez ouvrir un centre d'interprétation. Et je sais que par ailleurs, vous avez des problèmes éducatifs qui ont aussi the best in the world, qui sont vraiment très très bons, tous vos systèmes d'éducation avec les écoles. Je voudrais savoir, puisque votre centre d'interprétation va être ouvert également aux adultes, c'est une question très générale, mais à votre avis, est-ce que vous pourriez dire quelle est la place de l'art? Qu'est-ce que peut apporter l'art aux enfants? Qu'est-ce que peut apporter l'art à un public? Je veux dire, c'est à des tas de niveaux différents de savoir, mais aussi, quelle est la place, à votre avis? C'est une question très, très générale, mais j'aimerais avoir votre réaction d'émotion. Alors, je me permets juste de préciser, donc, parce que j'ai peut-être été trop vite, qu'il s'agit donc de deux projets assez distincts. Dans l'aile Richelieu, il s'agit vraiment d'une initiation aux arts, alors que dans ce centre d'interprétation du pavillon Sully, il s'agit d'une initiation à l'histoire du palais et à l'histoire de France, hein. Donc, qui sont finalement les deux clés qui manquent un peu aux visiteurs du Louvre, hein, qui est à la fois dans un univers architectural difficile à saisir, hein, puisqu'on traverse des pièces du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, et en même temps avec des œuvres. Alors, quelle est la place de l'art? Bon, je vous répondrai de manière d'abord générique, c'est que si j'en ai fait ma profession, c'est que, bien entendu, j'ai, moi, comme d'autres ici dans cette salle, expérimenté quelque chose de particulier avec l'œuvre d'art. C'est sans doute d'abord une relation avec des créateurs, parce que derrière des œuvres, il y a des hommes. Donc, et en tout cas, l'art permet en effet peut-être de toucher ce qu'il y a de plus créateur chez l'homme, que ce soit des créateurs du passé ou des créateurs contemporains. Alors on ne va pas faire de petite philosophie ou de spiritualité, mais cette part divine de l'homme, hein, qui passe par la création, on peut en effet s'en émerveiller face à des œuvres d'art, c'est-à-dire à être au-delà de ce que peut être parfois notre condition matérielle. Donc ce rapport à l'œuvre d'art que chacun d'entre nous a pu approfondir, il n'est pas si évident que cela. Voilà, il n'est pas si évident que cela. Et en effet, si on n'est pas entouré d'œuvres d'art, si on n'est pas initié à regarder des œuvres d'art, cette relation à l'œuvre d'art n'est pas aussi évidente. Donc le rôle du musée, c'est de permettre cette rencontre. C'est à la fois très modeste, parce que bien entendu, ce n'est pas nous qui sommes au cœur de la rencontre, donc, mais c'est de permettre cette rencontre entre un public et des œuvres, des créations, qu'elles soient des créations contemporaines ou des créations du passé. Parce que je crois que, bien entendu, ce rapport à l'œuvre d'art, cette relation à l'œuvre d'art, elle permet... Voilà, donc moi je peux vous dire simplement mon expérience personnelle, hein, c'est que la première fois, je l'ai déjà dit publiquement, que je suis allé au musée du Louvre, c'est la première fois que je comprenais, que je saisissais la profondeur historique de l'humanité. Moi je vivais dans une ville moderne, construite dans les années 60, où il n'y avait pas un seul bâtiment ancien, et aller au musée du Louvre et voir des œuvres du passé, c'est toucher à la profondeur de l'humanité. ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas une question facile. Sì, una domanda riguardo appunto al numero di visitatori e ai problemi che questo può... Beh, intanto complimenti per il successo ovviamente, ma però il successo qualche volta comporta anche dei problemi. Allora, questo afflusso comporta un problema di conservazione delle opere, almeno nelle diciamo ambienti più frequentati. La Gioconda so che è protettissima, eccetera, eccetera. Faccio questa domanda perché in Italia ci sono alcuni posti contingentati, la Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova e la Cappella Sistina a Vaticani, proprio per impedire che proprio fisicamente, per la frequenza fisica possa in qualche modo compromettere la conservazione delle opere. La seconda domanda, mi pareva che anche lei avesse precisato che si cercherà di diciamo indirizzare i flussi, no? Un po' decentrarli, perché il Louvre è una miniera di capolavori e voglio dire, anche se è molto connotato intorno alla Gioconda così, perché c'è sempre un mito e i miti sono sempre, hanno sempre la prevalenza sul resto, no? Cioè voglio dire, la Nica di Samothrace per la sua collocazione non può non vederla. La Gioconda, l'ultima volta che ci sono andato, io credo 3 anni fa, e spero di tornarci molto presto, la Gioconda è ipersegnalata e probabilmente anche iperdesiderata dagli spettatori, un po' meno, non so, le prigioni di Michelangelo, che non mi sembrano proprio una cosa così trascurabile dal punto di vista artistico. Ecco, allora come si può effettivamente motivare un pubblico a vedere altri percorsi assolutamente eccellenti per quanto riguarda appunto la qualità artistica, ma diciamo meno visibili, dal punto meno gettonati dai mass media? Alors, j'essaie de répondre à vos 2 questions. La première, c'est question que vous soulevez, c'est en effet le paradoxe des musées, puisque un musée existe parce qu'il doit présenter des œuvres au public, et que en effet l'exposition, exposer des œuvres, c'est prendre un risque. Donc, à contrario, si on manie le paradoxe jusqu'au bout, si on veut protéger les œuvres et ne pas les montrer, on n'est pas un musée. Donc, bon. Alors, les questions sont très différentes selon la fragilité des œuvres. Vous citez des exemples, Vatican, Padoue, etc. La question des fresques et le fait que, en effet, l'homme, par sa respiration, par la pollution, la poussière, donc qu'il transporte avec lui, donc en effet abîme, et qu'il faut contrôler, bien entendu, les visiteurs. C'est pas exactement celle d'un musée, dans lesquels, quoique à l'Orangerie, ils ont ce type de problème, hein, donc, pour les nymphéas. Mais nous, au musée du Louvre, c'est vrai qu'on constate un empoussièrement, hein, donc la poussière, notamment par exemple dans les salles rouges ou dans les salles de la Joconde, là, parce que nous transportons de la poussière, de l'humidité aussi. Quand il y a 2000 ou 3000 personnes dans une salle, la simple respiration transforme radicalement le climat. Donc ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Et en effet, je ne sais pas si Pierre Rosenberg se souvient, mais on a vu dans la grande galerie parfois des éléments climatiques très étonnants, hein, des phénomènes de condensation. Il a pu pleuvoir dans la grande galerie à cause de la condensation. Donc maintenant, aujourd'hui, on arrive à gérer ces choses. Mais bon, alors... Comment protéger les œuvres? Ben, la plupart des tableaux, si vous les regardez, je dirais malheureusement, dans la salle de la Joconde notamment, ils sont placés en caisson climatique ou sous verre, hein, pour éviter l'empoussièrement. Je pense qu'il y a des situations bien plus catastrophiques. Je ne voudrais pas citer certains musées italiens où on ne voit plus les tableaux tellement qu'ils sont sous verre. Mais bon, voilà, on a essayé de maintenir un équilibre. Alors, bon, les peintures sont particulièrement fragiles à la poussière. En revanche, donc, je voudrais dire qu'il ne faut quand même pas exagérer, que les œuvres d'art en vitrine, que les sculptures à l'air libre ne craignent quand même pas grand-chose. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le risque de l'exposition des œuvres. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, comment attirer des visiteurs à voir autre chose? Je vous dirais que c'est un travail de longue haleine. Ça suppose en effet une éducation au goût, donc c'est pour ça que je plaçais l'éducation au cœur de ce projet pour le Louvre, hein, le fait que d'abord, il faut dire aux gens ce qu'on peut voir, d'où le fait qu'on voudrait montrer à la fois au pavillon Sully comme à Richelieu ce que l'on peut voir. Alors il y a peut-être que 10% des gens qui disposent de plus d'une heure et qui se disent mais qu'est-ce que je peux voir d'autre? Mais au moins pour ces 10% qu'on leur montre. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai l'ambition de faire en sorte que la programmation des expositions soit au service des collections permanentes. Pardon. C'est-à-dire que comme Pierre Rosenberg, je me désole de cette, je ne sais pas comment l'appeler, expo mania, qui fait que beaucoup de gens, et je le vois surtout, pardon, je ne voudrais pas vous scandaliser, mais parmi les élites, je vois en effet qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des expositions, mais qui ne mettent plus jamais les pieds dans les musées. Donc je le vois à longueur de dîner mondain, parce que les gens me disent, ils ont tout vu à Paris comme exposition, mais quelle est la dernière fois qu'ils ont mis les pieds au musée d'Orsay ou au Louvre? Bon, là, il n'y a plus personne. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que l'événementiel peut tuer le musée. Alors, moi, je ne veux pas lutter contre la marée hein, montante, la coalta de l'exposition, mais je voudrais simplement que nos expositions, elles permettent de rappeler au public que si nous faisons des expositions, c'est parce que nous avons des collections permanentes. Et comme je le disais, à propos de Bouchardon, à propos de Poussin, à propos de Vermeer bientôt, même si on a peu de Vermeer, donc de rappeler qu'il y a des collections permanentes et de faire le pont avec ces collections permanentes. Bon, voilà, je ne suis pas naïf, hein, on ne va pas changer les choses, mais bon, voilà, c'est progressivement. Voilà. Le Maroc médiéval, par exemple, hein, je vais vous dire les choses un peu crûment, c'est 170 000 visiteurs. C'est beaucoup et c'est très peu. Exposition Raphaël, 450 000 visiteurs. Vous voyez. Mais on ne va pas faire que exposition Raphaël au musée du Louvre. C'est aussi notre devoir de faire une exposition en effet moins attendue, mais les 170 000 visiteurs qui sont allés voir le Maroc médiéval, on les a peut-être formés pour aller voir autre chose que Raphaël. Voilà. L'ultima domanda. Je voulais répondre un petit peu à l'observation qu'il a fait sur les musées italiens et la différence avec les Français, parce que je trouve que la géographie des musées, c'est différent en France et en Italie. Paris, en France, a une importance très grande, en effet, au regard d'autres villes françaises. Et c'est juste que Paris a les plus grands musées de la France et du monde. En Italie, nous avons des œuvres d'art partout, des petits musées partout. Des musées fantastiques, même dans les petites villes. Nous avons, par exemple, les musées à Milan, Paul di Pezzoli, qui est un musée très, très intéressant, qui est un petit musée. Nous avons les Uffizi à Florence. Nous avons les musées des Égyptiens à Turin, qui est en train d'être restauré dans une façon merveilleuse et très moderne par un jeune directeur qui était avant en Hollande et qui maintenant est arrivé à Turin. Nous avons, disons, dans toutes les autres parts d'Italie, des musées, aussi des petits musées, des importants, parce que la diffusion de la culture ancienne est moléculaire en Italie, ça est diffusée partout. Il n'y a pas un centre unique des grandes cultures, mais toute l'Italie est une, disons, tapis d'œuvres d'art. Donc c'est différent la conception, disons, des musées en Italie. Et les Uffizi à Florence, pour exemple, sont parmi les, selon moi, c'est tout le plus grand musée au monde, les Uffizi de Florence, pour la Renaissance, parce que l'Italie, c'est la patrie de la Renaissance. Donc c'est différent, mais ce que j'admire en France, c'est votre gestion des musées. Vous avez, par exemple, des échanges et des œuvres d'art, beaucoup plus qu'en Italie. L'importance des mécènes, qui est très importante, que nous n'avons pas en Italie, parce qu'ici, la direction des musées est plutôt, disons du point de vue institutionnel, de Rome, etc. Maintenant, je ne sais pas, avec la réforme, vous savez qu'il y a tout maintenant un changement pour Franceschini, pour le nouveau ministère, et donc on ne sait pas ce qu'il... Ça change beaucoup, ça changera beaucoup la direction du musée en Italie, mais quand même, je veux dire que vous avez la gestion qui est plus moderne, plus avancée et surtout du point de vue administration et diffusion dans le monde des œuvres d'art françaises. Ça, je trouve que c'est très, très bien fait. Mais du point de vue importance des musées, c'est différent la géographie des musées italiens en rapport à la géographie des musées en France. Et c'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. Non, ce sera plutôt à M. Martinez de dire quelques mots de conclusion. Je me réjouis de voir que vous venez nombreux écouter les invités de l'Alliance française et du Palazzo Grassi ici. Et nous referons ce nouveau cycle de conférences, de 3 conférences en septembre. Je ne vous dirai pas qui, parce qu'il faut maintenir le suspense. Mais nous continuerons dans cette voie avec des musées plus petits que le musée du Louvre et avec des musées qui ne seront pas forcément des musées parisiens. Et nous ne ferons pas seulement simplement appel, car ça m'a déjà été reproché, à des messieurs. Bon, je voulais simplement vous dire, vous remercier pour ce temps passé ensemble. Vous dire que, puisque j'ai entendu cette comparaison avec l'Italie, qu'en tout cas depuis la France, votre pays, ce pays, reste admiré. Voilà, donc, la culture italienne toujours aussi appréciée. Vous savez, donc le musée du Louvre est aussi un grand musée d'art italien. Et c'est pas simplement dû à Napoléon. C'est aussi d'abord dû à la fascination que l'art italien a exercée et continue d'exercer en France. Et parce que je voudrais rappeler en effet que ce musée, s'il est aussi italien, c'est que sous Napoléon, en effet, il n'y a pas que les œuvres qui sont venues, il y a aussi les hommes. Donc Pierre Rosenberg le sait, hein, donc, mon prédécesseur à la tête du département des Antiques était d'abord en fonction au musée du Vatican. Voilà, il y a eu ce transfert à la fois de compétences et de goût qui fait que la France a prétendu être une nouvelle Italie un tout petit peu de temps. Voilà. À bientôt au Louvre alors.